Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Sortie médiatique ce mercredi des autorités de la faculté des lettres A et sciences humaines Flash du campus d'Abomey-Calavi. Objectif, donner les motivations de l'invalidation de l'année académique 2015-2016. La police béninoise, toujours en guerre contre l'insécurité, a procédé encore à l'arrestation de deux malfrats à Cotonou. Ils ont été présentés à la presse ce jour. Et puis, il détient en Afrique le record de participation aux JO, tout sport confondu. Son nom, Segun Toriola, joueur nigérian de tennis de table qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Nous irons à sa découverte dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a effectué sa première visite officielle au Nigeria ce mardi. Patrice Talon s'est rendu sur la terre nigériane pour rencontrer son homologue Muhammadu Buhari. Les deux chefs d'État ont échangé sur les questions d'énergie électrique, de sécurité avec des mesures de lutte contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Les échanges ont aussi porté sur les relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays. Voici un extrait du point de cette visite. J'ai été à Abuja dans le cadre d'une visite de courtoisie, de fraternité et de travail. Nous avons échangé sur quatre points essentiellement, au-delà donc de la fraternité. Toujours la question de sécurité, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup la sous-région. Et le Nigeria et le Bénin sont dans une zone où l'insécurité, notamment le problème de Boko Haram, est une réalité inquiétante. Il est vrai que les efforts qui sont en cours et l'effort personnel du Nigeria est en train de d'avoir des résultats. Il faut le dire sans féliciter. Nous avons évoqué cette question, abordé les points de convergence et de renforcement de la lutte donc, contre l'insécurité et le terrorisme. Nous avons évoqué également un sujet d'échange entre le Nigeria et le Bénin, au plan commercial. Sur ce plan, je dois avouer que la situation internationale et la situation du Nigeria par rapport à l'effondrement des prix du pétrole causent quelques déconvenues à nos populations en termes de pouvoir d'achat du côté Nigeria et en termes d'échange en provenance du Bénin. Vous savez que une bonne partie de l'activité commerciale du Bénin est basée sur l'exportation vers le Nigeria. Sur ce plan, nous sommes dans une situation un peu complexe parce que le Bénin a besoin de vendre des produits made in Bénin, made in CEDEAO sur le Nigeria de manière libre. C'est ce que prescrit les dispositions de la CEDEAO. Deux malfrats ont été présentés ce mercredi à la presse. Leur arrestation est le fruit d'une enquête menée par les éléments du commissariat d'arrondissement de Vaudier et la brigade de recherche et d'intervention. À cette occasion, les responsables de la police nationale ont encore une fois appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour la lutte contre l'insécurité. Polycarpe Aïdinou et Damien Pédo. Deux nouveaux malfrats appréhendés récemment par la police nationale ont été présentés à la presse ce mercredi matin. Leur arrestation, intervenue le 29 juin dernier, procède d'une enquête policière menée conjointement par le commissariat d'arrondissement de Vaudière et la BRI sur instruction du directeur général de la police nationale et du commissaire central de la ville de Cotonou. Ces malfrats s'apprêtaient à nuire à un habitant du quartier Verdoka. Les deux là que vous voyez sont supporters d'armes. On a découvert sur celui qui est en boba un sachet contenant ce pistolet chargé de munitions et ce couteau. Celui qui est à gauche en tenue noire, lui il était en tenue de zim et portait cinq chemises et trois pantalons. Auditionnés, ils ont déclaré vouloir braquer, si vous me permettez le terme, ce riche homme d'affaires en complicité avec son employé. De plus, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Celui qui est en tenue boba a été identifié par une dame. Et cette dame aurait été braquée dans un véhicule taxi-ville
et on lui aurait arraché 1 million de nos francs et sa plainte est au commissariat de Goudoumé depuis le 4 juillet dernier. L'enquête ayant conduit à ce résultat a aussi connu un aboutissement grâce à la contribution d'une de leurs anciennes victimes. C'est pourquoi les commissaires CD et accordant des romans exhortent la population béninoise à aider la police à résorber le problème de l'insécurité au Bénin. Que les populations sachent qu'elles doivent être en éveil avec les policiers. Les policiers seuls ne peuvent pas tout faire. Quand les populations voient quelqu'un en tenue de zim, il faut voir le nombre de chemises qu'il a porté. Si les suspects appellent la police. C'est pourquoi, au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, j'en appelle à l'implication entière de la population pour qu'on puisse ensemble gagner la lutte contre les forces de mal. Et c'est à ça que chacun de nous doit travailler pour la jouissance du droit à la sécurité conformément à l'article 15 de la Constitution béninoise. Ces agents de la police ne croient pas si bien dit, surtout qu'un troisième malfrat et l'un de leurs complices sont en cavale et activement recherchés. Rendons-nous à présent sur le campus d'Abomey-Calavi. L'année académique 2015-2016 est invalidée à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Flash de l'Université. Les autorités, au cours d'un point de presse organisé ce mercredi, ont expliqué les raisons de cette invalidation, une décision rectorale qui sanctionne les étudiants de cette faculté pour boycott des examens qui devraient démarrer le 25 juin dernier. Après plusieurs négociations au sein de l'entité, au rectorat, et même au ministère de l'Enseignement supérieur, les étudiants n'ont pas voulu démordre selon les autorités. Le conseil pédagogique s'est alors réuni et a décidé d'appliquer les tests. Suivez ici les explications du doyen de la Flash. Le règlement pédagogique, en effet, dispose que, au niveau du chapitre 3, discipline et sanctions, lors des Article 66, lors du déroulement des épreuves, il est interdit aux étudiants de boycotter la composition, d'inciter ses camarades au boycott de la composition, d'instaurer un climat de trouble en salle d'examen. Ça, là, ce sont les tests qui nous gouvernent. Et c'est cela qui justifie les sanctions disciplinaires, sanction qui a été décidée par le conseil pédagogique érigé en conseil de discipline. Après cela, nous avons demandé aux étudiants, nous avons fixé un moratoire écrit que nous avons envoyé à chaque organisation. D'abord au BUE, Flash, mais également aux associations d'étudiants, aux trois associations d'étudiants. Ce moratoire expirait le 8 juillet dernier. L'année académique 2015-2016, je vous l'ai dit, ça expire le 12 décembre. Nous sommes en août. Et en août, l'université d'Abomey-Calavi est en congé. Je rappelle le caractère spécial de cette année académique et nous l'avons mentionné, nous l'avons dit aux associations d'étudiants. Rappelez-vous qu'ils ont boycotté les examens du premier semestre. Et lorsque nous faisons les examens, pour faire la correction et pour donner les résultats, ça fait au moins 2 mois. Les examens du premier semestre ont été boycottés. Et si nous devons continuer, si nous devons sauver l'année, on irait jusqu'en juin 2017. Or, devant nous, il y a les nouveaux bacheliers. Vous savez que les résultats sont proclamés pour le baccalauréat. Le conseil pédagogique s'est réuni et a demandé à ce que cette année académique 2015-2016
du fait de la grève des étudiants, du fait qu'ils ne veulent pas entendre raison, que nous mettions un terme à cette année académique 2015-2016 pour mieux préparer l'année académique 2016-2017. Et c'est déjà les vacances au Bénin. Écoliers et collégiens sont au repos, mais quel genre d'activité peut-on proposer pour occuper ces enfants au cours de cette période de repos? Les réponses dans ce reportage. Les activités pédagogiques ont pris fin dans tous les collèges et lycées du Bénin. L'heure est actuellement au repos pour les apprenants, mais comment rendre cette période à la fois plaisante et constructive pour les élèves? C'est une interrogation qui constitue une préoccupation pour les parents. Excursions, colonies de vacances, jeux d'hiver, rencontres et cours de vacances sont les principales activités de cette période. Pour ce faire, il faudra proposer aux vacanciers des activités récréatives et éducatives. Quand on prend les activités récréatives, on peut aller à des endroits pour se distraire, comme on peut déjà se distraire à la maison. Les gens du village n'ont pas des centres récréatifs, mais ils se distraient bien. Par rapport aux activités éducationnelles, les parents ne doivent pas laisser les enfants dormir jusqu'à 9h, jusqu'à 10h parce qu'ils sont en vacances, il faut les laisser. Même les tout petits, il faut les réveiller à une certaine heure et leur partager les devoirs domestiques. C'est une partie de l'éducation que d'envoyer l'enfant au village en vacances pour faire l'expérience du village, ne serait-ce que aider un oncle ou un grand-père à aller au champ. Il y a certains enfants qui sont exactement comme les Blancs. Aller au champ, c'est une grande découverte pour eux. Les périodes de vacances sont également des occasions de développement social qui permettent aux enfants de ressortir les potentialités qui sommeillent en eux. Ce sont les activités qui mettent l'enfant en relation avec d'autres personnes tout en s'amusant. Des jeux de groupe, des jeux de réflexion, des jeux qui l'amènent à être confronté à d'autres personnes, même des combats intellectuels. À travers les activités que nous organisons, et les enfants, en fait, parfois sont timides. On les emmène à pouvoir ressortir ce qu'ils cachent en eux. Déjà, spécialement, nous avons prévu quand même des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les emmener à ne pas rester tout le temps à la télé, rester câblé à la télé tout le temps, parce que souvent c'est ce qui se passe et ça fait des soucis pour les parents. Moment de liberté, de distraction et de découverte, les déplacements des enfants en période de vacances scolaires d'une ville à une autre ou d'un parent à un autre ne sont pas sans conséquences. L'enfant change d'air, il se développe beaucoup plus parce que l'air qu'il va respirer dans un village par exemple est beaucoup plus pur que celui qu'il rencontre dans une ville polluée comme Cotonou ou bien les grandes villes. Que nous connaissons les grandes villes qui sont nos métropoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il expérimente de nouvelles choses. Il apprend de nouvelles façons de vivre. On voyage, on a rencontré un monsieur ou bien une fille, et puis en l'espace de quelques jours, on se fait amis, parce que peut-être dans le milieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont notre look de la ville. Et je me suis attaché à celui-là, il est venu de Lomé, moi je suis venu de Parakou, de Cotonou, bon, on devient amis. Et malheureusement, leur amitié n'est pas vraiment saine. Ce n'est pas une amitié dans laquelle on apprend à se connaître, mais c'est une amitié dans laquelle, deux jours, ils sont allés au sexe. Il y a des enfants qui s'en sont sortis comme ça et qui sont venus. C'est après les vacances qu'on découvre la grossesse et avec les maladies qui courent et tout. Les parents d'élèves doivent donc choisir des activités appropriées aux enfants pour leur plein épanouissement, des activités qui leur permettront de reprendre les cours avec sérénité. Hors du Bénin, une académie de danse namibienne promeut la danse contemporaine comme choix de carrière viable. La danse joue un grand rôle dans la culture du pays, mais l'école veut montrer qu'elle peut être plus qu'un loisir. Reportage. Un ballet sur l'histoire d'un homme abandonné par son ombre. Ce spectacle est une occasion rare de voir de la danse contemporaine à Windhoek. La culture namibienne compte de nombreuses danses traditionnelles, mais les styles modernes peinent à émerger. Une jeune troupe veut professionnaliser les danseurs contemporains. J'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir professeur de danse. Mais j'aime le moment où le bras de quelqu'un va de là à là. J'aime le moment où quelqu'un projette son énergie en dehors de soi, au lieu de tout garder dedans. Le moment où quelqu'un d'autre parvient à changer comment se sentent les gens dans la salle. Pour moi, c'est passionnant. Oliver Stoffels espère faire le tour du monde et promouvoir des nouveaux styles de danse africaine.
Mais comme beaucoup de jeunes danseurs, il doit d'abord convaincre ses parents qui ne voient pas la danse comme un vrai métier. De la mode aux arts visuels en passant par la musique, les arts sont en plein boom en Namibie. Mais c'est différent en danse contemporaine. Une seule compagnie reçoit suffisamment de financement pour avoir un studio et payer un salaire à ses artistes. Les autres danseurs ne peuvent espérer que 100 dollars par spectacle, au mieux. In a gig where a singer can earn up to $18,000 for singing. Les danseurs travaillent sur des projets cas par cas. Et dans un concert où une chanteuse peut gagner jusqu'à 18 000 dollars pour chanter entre 5 et 6 morceaux, un danseur gagnerait 1 000 ou 2 000 dollars pour la même quantité de travail. Et parfois, le même montant est prévu pour un groupe d'artistes pour un spectacle. Alors, financièrement, c'est très frustrant. La compagnie First Rain Dance espère un jour pouvoir employer ses danseurs à temps plein. En attendant, elle se consacre à la promotion de la danse contemporaine pour que plus de jeunes aient une chance de faire carrière. La région bouddhiste du Mustang dans l'Himalaya népalais a échappé aux puges de la révolution culturelle chinoise, mais le séisme de 2015 a endommagé monastères et monuments sacrés. Au fin fond de l'Himalaya népalais, la bataille est en cours pour sauver le patrimoine tibétain. Il a survécu aux purges de la révolution culturelle qui a frappé la Chine voisine, mais est maintenant menacé par l'érosion causée par le vent et la pluie. Le riche héritage culturel d'ici est irremplaçable. Les monuments sont faits de boue, de peinture, de bois et peuvent vite se désagréger, voire disparaître pour toujours. Je pense que ce serait une perte pour le peuple du Népal, mais aussi pour le monde entier. Ces deux shorten, monuments bouddhistes, ont été restaurés. À la plus grande joie des villageois. Je viens ici tout le temps. Matin et soir, je viens ici 3 fois par jour. Et peu importe mon travail, je fais en sorte de m'arrêter ici. Plus d'une centaine d'ouvriers et artisans ont participé à la restauration durant 2 ans. Un processus qui s'est avéré crucial quand un séisme a frappé le Népal en 2015, tuant plus de 9000 personnes. Quand le séisme s'est produit, il a causé beaucoup de dégâts dans les villages environnants. Mais parce qu'on a été en mesure de réparer ces shorten à temps, il ne leur est rien arrivé. D'autres monuments n'ont pas eu cette chance. Dans la capitale médiévale de l'ancien royaume bouddhiste de Lomantang, le séisme a détruit des peintures murales vieilles de 500 ans et endommagé le système de canalisation, provoquant des infiltrations d'eau dans certains monastères. Le séisme a causé d'immenses craquelures sur le monastère Tubchen et je crains que le bâtiment s'effondre. Certaines des peintures à l'intérieur du monastère Jampalangkang sont tombées par terre. À moins que l'on ne reçoive de l'aide immédiatement, j'ai bien peur que ces monastères s'effondrent. La restauration dépend en grande partie des donations étrangères, ralentissant la course contre la montre pour la préservation du patrimoine historique et culturel unique de la région. La candidate démocrate à la présidentielle américaine, son colistier et leurs époux sont partis sur les routes de Pennsylvanie en bus pendant 3 jours dans l'espoir de gagner des votes dans cet état crucial pour remporter les élections présidentielles. Autrefois ville industrielle prospère, Monessen en Pennsylvanie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Comme dans beaucoup d'autres villes de la région, les aciéries ont fermé, entraînant avec elles les commerces. Petit à petit, la population aussi est partie. Dans ce territoire démocrate, la reprise économique ne se fait pas sentir. La chute a vraiment commencé en 1980 et ça a empiré dans les années 80. Aujourd'hui, on en est à un point de désespoir incroyable. Les gens réalisent que personne ne se soucie d'eux. Nombreux sont ceux qui envisagent de voter pour Donald Trump en novembre. Même le maire de Monessen, Louis Mavrakis, qui a pourtant toujours voté démocrate. Il dit ce que les gens veulent entendre, et c'est ce qu'ils veulent, un peu d'espoir. Regardez cet endroit, quand on finit l'école ici, où est-ce que vont les jeunes? Ils n'ont pas de travail.
Contrairement à son rival républicain, Hillary Clinton ne s'est pas arrêtée à Monessen pendant sa campagne. Mais dès sa nomination la semaine dernière, elle est partie sur les routes de la région en bus, accompagnée de son colistier Tim Kaine. Leur message est clair, relancer l'emploi et l'industrie. Dans les 100 premiers jours, nous ferons sauter les verrous à Washington et proposerons le programme d'infrastructure et d'emploi le plus ambitieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les derniers sondages, Hillary Clinton devance toujours son rival de 9 points en Pennsylvanie. Une avance surtout due aux électeurs des grandes villes multiculturelles. Désormais, ce sont les ouvriers blancs et les zones rurales qu'il va falloir convaincre pour remporter cet état crucial. Allons maintenant à la découverte d'un athlète qualifié pour les JO. C'est un Nigérian. Son nom, c'est Segun Toriola. Il pratique le tennis de table et il va disputer à Rio les 7e JO, un record sur le continent, tout sport confondu. Il espère enfin décrocher une médaille olympique. Segun affine son service. Dans quelques jours, il décolle pour les Jeux Olympiques de Rio, où, quelle que soit sa performance, il entrera dans la légende. À 41 ans, il est le premier Africain, tout sport confondu, à disputer 7 fois les JO. Un record qu'il assume en toute humilité. Dans ma tête, je ne pense pas que j'ai plus de 40 ans. Je me suis toujours dit que j'avais la vingtaine. Et je pense que c'est cela qui me motive à toujours m'entraîner dur et qui m'a aidé tout au long de ma carrière. Multi-champion d'Afrique et multiple vainqueur des Jeux africains, Segun domine le tennis de table sur le continent depuis 20 ans. Grâce à un coup droit au style inhabituel. Pour les JO, par contre, il doit encore faire ses preuves. L'entraîneur de l'équipe nationale espère que cette fois sera la bonne. Il est allé aux Jeux Olympiques 7 fois de suite. L'avoir dans l'équipe nous donne un leader. L'avoir dans l'équipe signifie que le Nigeria prend le tennis de table au sérieux. Pour les matchs par équipe, Segun sera accompagné d'un jeune pongiste en plein essor. Les Nigérians espèrent créer la surprise, même face à l'équipe chinoise. Les Chinois sont les favoris en tennis de table. Mais ce que j'aime dans ce sport, c'est que l'on peut être le numéro 1 et terminer 100e. C'est pourquoi ce sport est très intéressant. Avec près de 5000 adhérents, le tennis de table est un sport populaire au Nigeria. Pour défendre les couleurs du pays, deux Nigérianes sont également qualifiées et 3 athlètes paralympiques. Les compétitions commenceront le 6 août. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à bientôt.